de ce forfait sensation qui est une innovation de cette 11e fête du fromage. Avec d'autant plus de plaisir, oui, ce passeport sensation, parce que déjà c'est un premier cadeau en soi, un cadeau, vous l'achetez 5 euros, mais vous avez déjà un très joli sac qui plaira beaucoup à madame, il est aux couleurs des fromages de Savoie. À l'intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de petits cadeaux, notamment des livres qui sont sur la découverte du pays de Savoie. Et puis surtout, ce passeport, c'est 6 tickets qui vont vous permettre de bénéficier de remises, d'offres spéciales, passeport sensation, auprès des commerçants, auprès des producteurs qui ont la petite affichette sur leur stand. Donc à partir de là, vous faites déjà une excellente action. En face de moi, j'ai le stand du groupe Eminona, et bien avec le passeport sensation, il y a la petite étiquette, je crois que vous avez une réduction très importante sur le prix d'achat du CD. 5 euros, enfin, carrément 5 euros. Donc finalement, on achète le CD des Minona et on a remboursé le passeport et on peut bénéficier des autres réductions dans les différents stands, ainsi que sur les animations qui sont proposées également. Donc voilà, ce passeport, je crois qu'il est quasiment indispensable. Je vous conseille vivement d'en faire l'acquisition. Vous allez le rentabiliser très vite et ça va vous permettre surtout d'aller faire la découverte de nos amis producteurs, de nos amis également sur l'office de promotion des produits agricoles de Genève. Un petit peu partout, vous avez des promos. Vous repérez la petite affichette. Mais tout d'abord, il faut vous munir de votre passeport dont vous faites acquisition à l'entrée du village d'Orcier dans le petit stand qui lui est dédié. Voilà, mon cher Yvan, je pense que tu en sais autant que moi. Donc, si vous venez de nous rejoindre, cet espace enfant, c'est facile à trouver, c'est l'école élémentaire d'Orcier. Tout de suite à l'entrée du marché gourmand. Marché gourmand, vous allez retrouver, comme c'est le cas également dans les rues, dans cette rue principale d'Orcier, une quarantaine d'exposants qui vous proposent des produits du terroir, du fromage, bien sûr. Il y a d'autres choses à découvrir, des vins, des desserts également. Vous allez pouvoir apprendre à faire des desserts avec une animation bien spécifique sur les desserts d'antan, les oeufs à la neige, le riz au lait, le flan aux œufs, démonstration, fabrication puis dégustation. C'est proposé par madame Catherine Martini, marché gourmand, c'est le stand de près de la basse. C'est l'heure du dessert, ça tombe bien. Et puis beaucoup de musique cet après-midi avec un deuxième passage de la fanfare, la quincaillerie orchestra, que vous avez déjà pu apprécier si vous étiez avec nous cet après-midi. Si c'est pas le cas, restez avec nous aux alentours de 16h30. C'est vraiment quelque chose de très festif, de très joyeux. C'est vraiment de la musique des rues à découvrir. Donc elle va déambuler cette fanfare, la quincaillerie orchestra, dans les rues d'Orcier ainsi que vers le marché gourmand. De façon à ce que tout le monde puisse profiter de son concert. Et puis ensuite, là, il y a des choses tout à fait intéressantes, sérieuses avec le groupe NAD qui va se produire à 17h45 sur le podium d'animation sur lequel a eu lieu ce matin l'inauguration de cette fête du fromage. Oui, alors Michel, au fond de la cour, il y a également quelque chose d'intéressant qui est proposé, donc des produits régionaux, par le petit rameneur, des chaussons à la fricassée de cochon au vin blanc, des beignets de chou-fleur. Et ça nous est proposé à la dégustation ou à l'emporter si vous le désirez. Alors on va également parler des pétoles. Qu'est-ce que sont les pétoles? J'aimerais que quelqu'un vienne en parler. Les pétoles, de quoi s'agit-il? Alors les pétoles, c'est des petits biscuits au vin blanc de Savoie pour l'apéritif, avec des herbes et des fromages de Savoie. Il y a chèvre, poire, oignon, tome cumin, il y a également l'origan et les mentales. Et puis on a aussi les gros mailles. Les gros mailles, c'est comme la veillée, gros maillet. C'est des amandes avec du caramel et du miel. Voilà. Que de bonnes choses à venir déguster au fond de la cour de l'école, juste à l'entrée de la salle des fêtes. Voilà tout ce qu'on peut découvrir dans cette cour, où la spécialité du terroir, évidemment, est reine. Venez faire un tour, ça vaut le coup. Merci en tout cas au petit rameneur qui propose ses produits recto. Me permettez, mon cher Yvan, je vais faire un petit rappel de ce fameux passeport sensation. On en a beaucoup parlé ce matin, mais je crois qu'il est important d'insister un petit peu là-dessus tout d'abord, parce que c'est pour faire bénéficier de nombreuses réductions sur vos achats ou vos animations, et ensuite également participer à la grande tombola qui aura lieu en fin de journée, et qui vous permettra peut-être de remporter l'un des membres l'eau ou le voyage offert par le village du Stade. Donc
acheter 5 euros. On vous donne, avec ce passeport sensation, un très joli sac dans lequel vous allez trouver un certain nombre de choses, notamment des cartes pour des balades, des itinéraires de balades dans la région, un petit livre également sur ces itinéraires de balades. Je crois qu'il y a également quelques cadeaux si vous avez des enfants. Et puis bien sûr, ces 6 tickets qui vont vous permettre de bénéficier de réduction, pardon, un petit peu partout sur les différents stands, les stands qui participent avec leur petite affichette. Je participe au passeport sensation. Vous présentez votre ticket, vous avez droit à une réduction, vous avez droit à une offre particulière avec ce passeport sensation. Donc vous le rentabilisez très vite. Sur le stand de Koda, vous avez également la possibilité d'acquérir un prix très intéressant, le tout dernier CD du groupe Illuminona, dont on reparlera durant l'après-midi. Un CD qui était enregistré dans un studio professionnel à Londres, c'est vraiment du sérieux, et un très, très joli CD à découvrir, la musique qui bouge bien. Alors c'était prévu au programme, le beau temps naturellement depuis déjà une petite semaine, si vous avez regardé Météo France ou Météo Suisse, c'était en prévision avec de fortes températures, donc vous avez la possibilité bien sûr de vous hydrater, de vous désaltérer grâce aux buvettes qui sont bien à l'entrée du village, que près du chapiteau, sans servir des repas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les boissons alcoolisées naturellement, c'est à consommer avec modération, mais avec de l'eau, avec des jus de fruits, il n'y a aucun problème. Et c'est une bonne précaution à prendre, étant donné les températures que l'on attend encore cet après-midi. Si Yvon a prévu sa petite bouteille pour ne pas se déshydrater, mais il est peut-être quelque part sur le marché gourmand. Il va nous dire où il est. Voilà, et bien, il est une exposition qu'il ne faut absolument pas manquer, qui est proposée par les amis du musée. Odile Lalliard est une des responsables et organisatrices. Alors, pourquoi cette exposition sur les lessives à l'ancienne? Eh bien, parce que chaque année, les amis du musée, après avoir fait le fromage, le lait, ont à cœur de parler des anciennes traditions et surtout des anciens savoir-faire. Et je pourrais me dire, je ne suis pas une des responsables, simplement j'aide. Elle est quand même très participative. Alors, on apprend plein de choses. Le café noir, par exemple, ça servirait à enlever les tissus. Alors, donc, notre exposition est sur les façons de faire la lessive autrefois, et en particulier, le café intrigue beaucoup de gens, parce qu'avec Brosse, on passait du café sur les tissus noirs, qu'on ne pouvait pas laver souvent, et ça ravivait la couleur, tout en nettoyant les poussières, surtout les chapeaux et les costumes. Alors, il y a également du bois de Panama, comment ça sert? Alors, le bois de Panama est donc bien sûr, qui nous vient de Panama. J'ai oublié le nom de l'essence exacte de l'arbre. Et ça sert à laver les tissus. Et donc, quand vous êtes dans l'eau, c'est légèrement mouillé. C'est un bon nettoyant qui n'abîme pas les soies et les lainages. Qui remplace le myrlène. Et moi, quand j'ai encore des tissus bien anciens et très fragiles, et parce que les lessives actuelles comme le myrlène, on en met trop gros, et le bois de Panama se rince bien, facilement, donc je m'en sers encore des vieux tissus. Et on en trouve en droguerie. Il y a encore les fameuses boules bleues qui servaient à raviver le blanc. Voilà, les boules de bleu qui servaient à raviver le blanc, qui donnent un éclat bleuté quand le linge blanc était un peu jaune. Voilà, c'est un aperçu de ce que vous découvrirez au travers des documents, des photos également, et des objets de la lessive à l'ancienne. Odile Lalliard, je vous remercie. Voilà, quoi qu'il en soit, plein de choses à découvrir, à la fois dans ce grand marché gourmand, qui est sur le plateau, juste devant l'école élémentaire, également devant la salle des fêtes. Et puis en ce moment, quelques musiques que vous entendez, quelques accents de musique plus précisément, de la fanfare, la Cacaerie Orchestra, que vous avez pu apprécier cet après-midi, et qui refera deux petits tours, deux grands tours, même de danser tout au long de cet après-midi, pour vous faire vous mettre dans l'ambiance avec cette musique déambulatoire et festive. Alors, Michel, j'ai une petite découverte qui est intéressante. C'est des vélos électriques, c'est assez exceptionnel. Ils sont là, alors parlez-nous un peu de ces vélos électriques, qu'est-ce qu'ils représentent et à qui ça va-t-il ?
Et bon, Cyril Yvon, je crois qu'on est tout à fait dans la tonalité de cette fête du fromage et du terroir avec ses vélos électriques. Alors, c'est tout simple parce que c'est simplement, on oublie un petit peu tout ce qui pollue, tout ce qui abîme la nature, et le vélo électrique comme la voiture électrique, c'est vraiment quelque chose qui est non seulement à la mode, mais qui est vraiment indispensable pour la suite si on veut continuer à garder nos beaux paysages intacts.